Ce mois-ci, on enquête sur le power level de l'extension MKM et on passe les précons à la loupe. Qui de Linkus, Théo Rivière, Joël ou Bandit collectera assez d'indices pour éviter de subir la sauce extra piquante? La réponse dans cette nouvelle partie de Solerie. Eh bien bonjour, c'est Jojo, aujourd'hui je vais jouer Morska Détective Sous-marin. Alors, mon but ça va être de pouvoir piocher et de booster ma créature pour attaquer. Est-ce que ce deck vaut pas un clou ou il est plutôt élémentaire? Ça va se savoir. Bonjour, c'est Théo, aujourd'hui je vais jouer Mirko, théoriste obsessionnel de la famille Dimir. Si j'ai bien compris, je vais meuler des cartes et je vais réanimer les grosses bêtes. Salut, c'est Linkus et moi aujourd'hui je vais jouer la chasse aux coupables, évidemment ce deck qui va forcer les gens à se casser la gueule, à les accuser, grâce à ma petite Nelly Borska, accusatrice impulsive. Salut, c'est Bandit, moi aujourd'hui je vais jouer Dangereux Déguisement, parce que c'est le lore, c'est le masque, vous savez. Mon but ça va être de mettre sur le board des cartes face cachée, et puis de les retourner pour piocher des cartes et faire des belles surprises à mes adversaires. Comme vous l'avez compris, on va jouer les decks de l'extension Meurtre au Manoir Karlov, les 4 préconstruits. J'espère que la partie va vous plaire, évidemment. Let's go pour une nouvelle partie de Sol Ring, le show qui met ton playgroup dans les... Cordes. Bah, c'est mon deck préféré, faut bien que je le protège. Ce que je vous propose, c'est évidemment de lancer un petit dé pour savoir qui va commencer. En général, bah, ça fait beaucoup dans une partie, c'est quand même chouette de commencer. Ouais. Ou en tout cas, de ne pas être dernier. On espère tous que Joël sera dernier. Là. Allez, d'abord. Attends, règle spéciale, n'oubliez pas, si le dé sort du tapis, c'est échec critique. Contrôlez un peu. C'est que le 1. C'est peu, ça. 13. 8, 7, 5, 13, c'est pas mal. Ah, je suis dernier. C'est bien fait. Bon, c'est le karma direct. Le karma. Je suis nul au dé, quoi. Voici Bandit. Comme de nombreuses personnes en France et en Belgique, il est atteint d'une maladie répandue dont personne ne parle. La flemme. La flemme de trier ses cartes. La flemme de taper sur le bouton snooze. Et la flemme de monter cette pub. Heureusement, pour les gens comme Bandit, toutes les équipes de chez Play-In mettent vos produits Magic préférés directement dans votre boîte aux lettres. Play-In, partenaire de votre flemme. Et surtout, partenaire de Sol Ring pour cette nouvelle saison. En utilisant le code BANDIT2024 lors de vos achats, vous recevrez 50% de points de fidélité en plus. Idéal pour ceux et celles qui ont un peu la flemme. Je vous propose de piocher vos cartes et on... voilà. Et voilà. Et voilà. Ce sera déjà très bien. Oh. C'est gardé ça. Idem. Non, je vais. Ok, devoir, c'est le Mumu, c'est devoir, le Lily. C'est le Mulligan, ouais, je vais devoir. Je suis obligé là. Bah, le premier est gratuit. Mais c'est ça le problème avec la drogue. Bon, tu sais quoi, vas-y, je garde. Hein. Ouais, foutu pour foutu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Début de partie, à ma plus grande surprise, je suis le premier à jouer, chose qui n'arrive quasiment jamais. Et je décide de mulligan, de me débarrasser de mes cartes, en pensant avoir un meilleur jeu. Et autre surprise, c'est de la merde, mais je décide de garder la tête haute et de faire semblant que tout va bien. Tu peux commencer. Je vais juste mettre une petite cime aiguille, terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, et fin de tour. Oui, qui devient un double strike. Je n'ai pas besoin de le dire, hein, ça serait une surprise. C'est écrit sur la carte. C'est de la rétention d'information. Eh bien, j'ai joué un temps de l'élimination qui arrive en jeu engagé et me fait faire un scry. Vas-y. Je vais déroger à la leçon et je vais jouer une carte qui est une note de rançon. C'est un artefact indice. Quand elle arrive en jeu, je surveille 1. Donc je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Je peux payer 2, la sacrifier, et soit je voile la carte du dessus de ma bibliothèque, soit j'incite une créature ciblée, soit je pioche une carte. Et je vais lire cette carte car je ne sais pas ce qu'elle fait. Je vais piocher. Je vais jouer un reliquaire de la jungle et je vais dire à toi. Bah écoutez, je vais mettre une tour de commandement à votre plus grande surprise, je le sais tous. Et fin de tour. Je vais jouer une forêt. Il a pioché si vite. Et pour deux, je vais jouer un talisman de progrès. Je peux engager pour avoir un incolore ou un bleu et un blanc, moyennant une petite blessure. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça, et donc c'est au tour d'après que normalement il nous dit bon bah là, mana infini. Non c'est ça. Moi comme j'ai bien compris qu'il fallait copier Joël, je vais jouer un talisman de dominance, qui est pareil mais qui fait du bleu ou du noir. Allez. Je m'inspire des meilleurs. Oh, ça va, alors tu... Je tape, je vais pio-pio, chéché. Je vais jouer une forêt, je vais payer 2, et je vais jouer une sapience naturaliste qui arrive en jeu engagé. Voilà. C'est bon. Et je vais dire à toi, Linkus. Faites bien comme vous voulez, très cher Bandai. Ça va rester longtemps. Bandai. Écoutez, je vais mettre une petite lande, et pour 3...
J'ai directement me protéger avec une petite prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Tu vois le projet du deck, quoi. C'est genre, amusez-vous. Ouais, voilà, amusez-vous les enfants, moi je vous regarde. Et puis, je vous regarde, battez-vous. Et à toi. Eh bien, je vais jouer pour 3. Mon commandeur, Morska détective sous-marin. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans ma main. J'enquête au début de mon tour. Et chaque fois que je pioche ma deuxième carte à chaque tour, je mets 2 compteurs plus un plus un sur lui. Bien joué. Je joue à un terrain qui fait scry. Et la mettre en dessous. Et sur ce, j'ai fini. Bien joué. Ah non, maintenant, faut t'essuyer, mec. Je vais piocher une carte. Je vais jouer ce paysage milliardaire qui arrive en jeu engagé. Je pourrais sacrifier et chercher 2 landes. Et pour 3, je vais jouer à l'affaire du visage changeant. Donc les affaires, c'est un nouveau type d'enchantement qui a un effet. Donc là, au début de mon entretien, je surveille 1. Pour la résoudre, il faut qu'il y ait au moins 15 cartes dans mon cimetière, un peu de marge. Et à partir du moment où elle aura été résolue, à chaque fois que je lance un sort de créature non légendaire, je le copie. Quoi? Donc, ah yes, deux fois ma créature. C'est costaud, ça, hein. Attendez, après, il faut 15 cartes dans mon cimetière. J'ai un peu de temps. Calmez-vous. C'est grave ce que vous faites. C'est ça, devient CNews, quoi. Vous pouvez pas dire ça sur un plateau. Non, mais vous permettre. J'ai fini. Bon, je suis content des premiers tours, je rampe un peu et là je joue cette affaire qui va me permettre de meuler rapidement en espérant d'aller trouver des belles créatures. Donc je me sens plutôt pas mal sur ces premiers tours là, c'est chouette. Ok, je vais des tapous, piocher. Je vais jouer un temple du triomphe. Je vais regarder 1. Ça va aller en bas parce que Balek. Je vais payer 3, juste comme ça avec mes deux mains comme un DJ. Et je vais jouer un bestiaire du façonneur de vie. Donc au début de mon entretien, je vais regarder 1. Et à chaque fois que je lance un sort de créature, je peux payer un mana vert. Si je fais ainsi, je vais piocher. C'est beau. Je vais dire à toi. Je vais remettre un petit terrain, tunnel d'évasion. On est d'accord que je peux l'engager. Je le sacrifie pour aller chercher dans ma bibliothèque exact. Une carte de terrain de base que je mettrai sur le champ de bataille engagé. Et fin de tour. Qu'est-ce qu'on va faire au début du tour? C'est élémentaire, mon cher Watson. Oh. On va faire un indice puisqu'on va enquêter. J'ai un indice. Bien, ouais. J'ai également une pioche. C'est beau, hein. Je vais jouer un idole de l'oubli. Je peux l'engager pour piocher une carte, mais je peux faire ça que si j'écris un jeton ce tour-ci. Bah, ça tombe bien, je l'ai fait. Je vais l'engager pour piocher une carte. Oh, les combos. J'ai 2 compteurs plus un qui vont se mettre sur Morska puisque j'ai pioché ma deuxième carte du tour. Pour 2, j'aimerais jouer une enquête en cours. À chaque fois qu'au moins une créature que je contrôle inflige des blessures de combat, j'enquête. Pour 2, je peux exiler une carte de créature depuis mon cimetière, enquêter et gagner 2 points de vie. Et on va commencer les hostilités. Je vais t'attaquer pour 4. Oui, j'ai bien vu que... 1, 2, 3, 4. J'ai donc un deuxième indice. Hop. Et c'est fini. Yes, Joël, bonjour et bienvenue au Cirque Joël. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. Attention. N'importe quoi, comme d'habitude. Il veut un deck qui fait, si je pioche, ça fait un dommage, ou ça fait un loup, ou ça fait machin. C'est ce que ce deck fait. J'aurais pas dû lui donner. Moi, je m'en veux. Entretien, je vais mettre la capacité de mon affaire du visage changeant dans la pile, et en réponse. Je vais sacrifier mon paysage merdiardière. Merdique. Je vais chercher 2 cartes de terrain de base qui partagent un c'est même type, fort, je crois. Ça, hein. Qui partagent un type de terrain et je les mets en jeu engagé. Ça va. Bon, ça va, mais... Je vais chercher 2 marées. Non, c'est fort. Oui. Je surveille. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oui, de toute façon, je vais la mettre dans mon cimetière quoi qu'il arrive, je vais le remplir. Je vais jouer ce terrain qui arrive en jeu dégagé. Et pour 2, on joue les cartes. Je vais prendre 1 et je vais jouer la save. Elle est hétérogène. Quand il arrive sur le champ de bataille, je surveille 1, je mets ça dans mon cimetière. Je peux payer X et il devient une copie d'une créature, d'une carte de créature ciblée depuis mon cimetière, qui coûte X, sauf qu'elle s'appelle toujours la save et elle a toujours cette capacité. La save mi cantare. Waouh. Allez, j'ai terminé. Fin de tournage, on arrête là. je vais lire mes cartes dans mon cimetière. Casse, là, donc, peux... C'est à moi? Ouais, il y a eu de la touffe, là, c'est bon. Yes, let's go, les gars. Hey, let's go, hein. Donc, je vais payer 3. Je vais jouer un mystère mystérieux. C'est une de 2. Donc, rien d'alarmant. Et comme j'ai lancé un sort de créature, je vais payer un verre. Moi, ça sera une bière, s'il vous plaît. Yes. Voilà. Petite bière en Belgique. Et bière. Je vais faire ainsi. Donc, je vais piocher une carte. C'est le mec qui lit tout à l'envers. Est-ce que tu as scry au début de ton tour? Je n'ai pas scry au début de mon tour, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être évité par Oli. Ça aurait pu être évité par Oli. Allez, cheers. Hein. Merci Oli de soutenir cette émission. Dites adieu aux oublis de trigger grâce à notre partenaire Oli. Oli Energy, c'est votre alternative aux boissons énergisantes traditionnelles. Pour rester focus à la table. Sans sucre, plus économique, plus écologique et beaucoup plus simple. Grâce aux arômes naturels. Profitez d'une réduction de 5 euros sur votre première commande avec le code SOLRING5 ou alors de 10% sur vos achats avec le code SOLRING. Mais vous pouvez aussi cliquer
lien dans la description. Y a quoi dans le stack? La révolution des soft drinks. Bah écoutez, petit gardien de l'accord, créature humain soldat, au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de créatures que vous, je crée un jeton 1-1 blanc soldat. Et au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Bah écoutez, fin de tour. Alors, je vais jouer une tour de reliquaire, parce que ça a commencé à avoir son importance, même si lui a déjà le cas. Je vais, pour 6 mana, tenter de jouer un dragon scintillant. Tant que j'ai 4 artefacts, il a Hexproof. Je peux engager 2 artefacts dégagés que je contrôle pour piocher une carte. J'arrive à mettre mon dragon sur table, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je peux piocher 2 pendant le tour des autres, vu que j'ai pas mal d'indices. Du coup, je peux commencer à booster mon général pendant le tour des autres. Si tout se passe bien, en 2 claques, il tue quelqu'un. Il faut savoir que moi, la veille, j'ai slivé les decks. Et en slivant le deck de Joël, j'ai vu ce dragon. Et je fais, putain, j'espère qu'il va jamais le jouer. Parce que c'est vraiment pété, en fait, dans son deck. C'est vraiment hyper fort dans la strat du deck. Je vais engager ceci, puisque j'ai créé un indice, et piocher une carte. Et je vais t'attaquer pour 6, parce que je ne peux pas attaquer Lincus. Tu peux noter que c'est 6 de cordon. À 21, c'est la fin. Je vais mettre un indice, puisque j'ai connecté à toi. Alors attends, moi, je dois créer un jeton. Parce que t'as plus de créatures j'ai que moi. J'ai plus de créatures que toi. Tu as droit à un magnifique jeton. Et je peux prendre une plaine aussi dans mon deck. Fait. Exactement. Chose que je vais faire de ce pas, mais c'est vas-y, je t'invite à... Merci. Entretien, je vais surveiller un et je vais lire cette carte, car je ne la connais pas. Elle a l'air bien. C'est bien parce que tu nous fais partager vraiment cette expérience. Tiens, donne-moi je vais la mettre dans mon cimetière. C'est pas de ma faute, je suis obligé de regarder tout, tout le monde avec tout le temps. On est ensemble là, je pense qu'on est derrière, il faut qu'on... Oui, il faut qu'on fasse des choses. Moi je suis dans ton équipe. Non, mais j'ai plein de choses à faire. On a été agressé par Joël. J'ai rien fait. Par un Joël impérialiste. comment on va faire ça? Parce que ce dragon, il est un peu problématique quoi. Yes. Non, il est beau, il est chaud. Je vais jouer une rivière de larmes. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ce dragon? On va faire ce genre de choses un peu... On est là pour faire des choses un peu bêtes. Je vais payer 7. Pour que la salle devienne une copie de ce Teuil de Montaubrume. Et qu'est-ce qu'un Teuil de Montaubrume? Je sais pas, ça coûte 7, ça doit être bien. C'est une 3-8 vol et lien de vie. Je peux jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes de mon cimetière que j'ai surveillé ce tour-ci. Si je le fais, je peux payer un nombre de points de vie égal au coût de mana au lieu de payer son coût normalement. Oui, non, c'est fort quand même. C'est plutôt bien. Ouais. Je suis content parce que j'ai d'ores et déjà 7 mana grâce à mon cachet, donc je peux faire revenir cet œil qui est vraiment très chouette avec l'Arzav. Elle met une belle pression et puis de rejouer les sorts surveille sans les payer, c'est vraiment hyper fort, donc là je me sens vraiment très très bien. Je vais attaquer quelqu'un. Toi, t'as une 5-6 vol. Et moi, je peux pas m'attaquer. Donc. Moi, j'ai une 2-2. Je vais pas attaquer. Dans tu peux une... Dans une forme de respect global. 3, moi, je les prends, franchement, vas-y. Hein. T'es sûr? Oui. Okay. Oh, ça a pas été très dur de convaincre. Et je vais gagner 3. Voilà, en plus, tu regagnes des points de vie. Enfin, je vais payer 3 pour jouer ça depuis mon cimetière. Quand il arrive sur le champ de bataille et au début de mon entretien, je vais surveiller 1. À chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans mon cimetière, j'enquête. Je paye 2, je sacrifie un indice, je renvoie. C'est marrant, ça, ce qui se passe. Mais, tu as payé 3 points de vie? Oui. J'ai payé 3 points de vie, tout à fait. Je vais... Il avait regagné 3 points de vie avec ça en attaquant. Ah oui. Surveiller ça. Ça fait plein de c'est pas toi le deck enquête, hein. Calme-toi, inspecteur hein. Jojo là. C'est marrant tout ça, je vais faire, j'ai envie de faire toutes les choses du monde, mais ça va faire un peu trop de choses. Je vais payer 6. Yes. Pour jouer ça. Serenade du Charné, surveillez 3, puis renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Exilez Serenade du Charné avec 3 marqueurs temps sur elle. Donc je vais d'abord surveiller 3. Il fait plein de choses ce deck. Je suis content maintenant que j'ai une partie qui commence à s'équiper. C'est pas Lincus, on est bien. Bah, moi, en je t'ai appelé Lincus parce que. Moi je vais vous dire un truc sur cette partie. Tout m'indique que je dois être passif de fou, attendre et regarder ce qui va rester. Mais tu le fais très bien, t'inquiète. Je fais réanimer. Tout va bien se passer. Prophétesse du crépuscule. Ah oui. Elle a l'ascension, donc si je contrôle au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 permanents, je prends l'agrément de la cité. Au début de mon entretien, je révélerai la carte du dessus de ma bibliothèque et je la mettrai dans ma main. Vous perdrez chacun X ou X et le coût de cette carte. Et je vais mettre 3 marqueurs sur cette petite chose, je vais mettre un gros 2 parce que j'en ai un. Une grosse D. Je n'ai pas fini parce que j'ai encore surveillé des cartes, donc je peux les jouer. C'est incroyable en perdant des points de vie. Bah, je vais payer 2 et je vais jouer un cachet d'ésotérisme depuis mon cimetière. Je vais m'arrêter là, je suis très bien. Je vous en prie, monsieur Bandit. Et ben, en attendant ton tour, j'ai eu 2 enfants. J'ai pas vu grandir d'ailleurs. Ouais, sont... On les embrasse. On était en vacances avec Bandit. Ils repousse. Ils sont sympas, c'est très vintage. Hein. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ces decks en fait. C'est fou, hein. Il y a vraiment il y a un côté de la table. Oui, mais c'est toujours. La table qui joue du bleu. On s'amuse quoi. Je dois prendre une plaine ah, oui. Et j'ai 2 soldats.
Ah ouais, mais en fait, ça commence à être costaud, ça aussi. En fait, ça va, Bandit, ouais. Tu fais des trucs ou pas, toi? Alors là, bon... Si, là, je vais faire des dingueries, hein, attention. Vous êtes prêts à avoir des dingues, les jeunes? Vous êtes prêts à péter votre crâne? Parce que là, waouh! Je vais payer deux. Je vais jouer ma commandante. À chaque fois qu'une créature que je contrôle a été retournée face visible ce tour-ci et qu'elle inflige des blessures, je vais piocher. Et je peux engager cause pour retourner une créature. J'ai lancé une créature. Est-ce que je paye un mana vert pour piocher? Non. Et comme il a dit, je paye un mana vert. Oui, pour éviter de trigger de la blague. Il y a des garde-fous maintenant. Je vais jouer un ancêtre de la tribu Sakura. Oh, j'adore cette carte. Et je vais jouer une garnison de Boros et je vais renvoyer une forêt dans ma main. À toi. Très bien. Merci, Bandi. Très clairement. Je vais mettre ce terrain qui arrive engagé. Et ensuite, pour 4, je vais mettre l'ancêtre vengeur, créature esprit dragon, qui a le vol, c'est une 3-4. Et à chaque fois que l'ancêtre vengeur arrive sur le champ de bataille ou attaque, je peux inciter une créature ciblée. Et à chaque fois qu'une créature incitée attaque, elle inflige une blessure à son contrôleur. Qui j'incite? Qui veut se taper? Non, bah vas-y, on va cibler celle-ci. Allez. Okay. Allons-y gaiement. Et fin de... Ah, regarde, je prends le marqueur magique. Tour. Fin de tour? Fin de tour, je vais engager 4 artefacts pour piocher 2 cartes et mettre 2 compteurs plus 1 sur mon commandant. Bli 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 bli. Comment qu'on fait? On boit une petite brasse. Ça tombe bien que tu en parles. Non, non, non. Je vais enquêter. Je vais jouer une command tower. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer chez toi pour un total de 8 plus 5, 13. Je vais bloquer ton commandant avec mon... privé inébranlable. Ok. Tu prendrais 5? Ouais. Ok. Tu prends 5. Ouais. Il a été ébranlé. Voilà. Es-tu triste? Ça va. Parfait. Je vais créer un jeton indice. Je vais piocher une carte parce que j'ai créé un jeton indice. Je vais mettre un compteur, 2 compteurs supplémentaires. Je vais engager 6 indices pour piocher 3 cartes. Hein. Bandit, il est dépité. 3. Non mais sinon, tiens, Joël, tu prends ça. Et ça ira. Et pour la somme coquette de Simana, j'aimerais jouer adieu. J'aimerais choisir le mode enchantement, créature et cimetière. Tu peux nous écrire la carte? Je vais sacrifier. Il va exiler tous les enchantements, toutes les créatures et tous les cimetières. Donc créature, tout est mort? Ah ouais, non mais attendez. Oui, d'accord. Ah oui, ok, oui. Tu es d'accord là, c'est ce qu'il y a de se produire là. Bien sûr. Toc, 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 c'est Joël qui vient de briser mes rêves, pas pour la première fois, en jouant adieu et en exilant beaucoup trop de choses. Heureusement, il n'exile pas les artefacts pour garder ses jetons indices. Bonne nouvelle pour moi, ça me permet de garder mes cachets, donc normalement, je devrais pouvoir réussir à repartir pas mal. Non, tant pis, petit dragon, gentil petite bête partie trop tôt. Salut mon pote. Alors, évidemment, vous aimez l'épisode, on aime que vous aimez l'épisode, donc on va vous offrir des petits cadeaux. Merci à notre sponsor Ultimate Guard hein, qui nous offre tout ça pour vous l'offrir. Donc, on a un petit boulder, ainsi que des sleeves katana et des inner sleeves katana. On va vous les faire gagner comment? Évidemment, en laissant un petit commentaire sympa, mais surtout, pensez à bien mettre la personne qui mérite la salière d'argent pendant cette partie. J'ai des petits indices sur qui la mérite. Maintenant, voilà, c'est à vous de le dire. Moi, je pense que c'est clairement Joël. Après, je suis content que ton dragon soit mort, je t'avoue. Ouais, oui, mais il n'allait pas faire la mesure avec ce qui arrivait là. Tu viens de m'exiler un escouffle enfer impérial. Artefact aussi? Non. Non, j'ai pas choisi artefact. Dommage. J'ai beaucoup d'indices. À toi. Je vais jouer ce Mirko théoriste obsessionnel. Pardon. Il a vol vigilance. À chaque fois que je surveille, je mets un marqueur plus 1 dessus. Au début de mon étape de fin, je peux renvoyer sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de créature ciblée de force inférieure à celle de Mirko. Pour 2, dont un bleu, je vais jouer gestion, je vais surveiller 2, puis je vais piocher une carte. Je vais mettre un marqueur sur... Je peux te piquer ton... Oui, ça ne plus rien. J'en fais moins l'utilité. Non, hors de question, c'est à moi. Oui, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre cette turne de pensée et ce Strix au cimetière, je vais piocher une carte. Je vais ensuite... jouer ces catacombes de sombre. Pour 2, je vais piocher une carte. C'est genre vénère. Et j'ai fini mon tour. Fin de mon tour, au début de mon étape de fin, je peux renvoyer sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de créature ciblée avec une force inférieure à celle de Mirko. Vous voyez ce sinistre Strix qui est un vol contact mortel. Quand il arrive sur le champ de bataille, je pioche. J'espère que je vais quand même pouvoir jouer un peu de trucs quoi, dans cette game. Je vais payer 3. Le mystère. Oh. Mystérieux. C'est une mue, donc c'est pas une...
un déguisement. Et je vais payer encore 3. Attention, mystère mystérieux. Et donc j'ai 2. Je vais payer un mana vert. Enfin, je vais payer un vert. Je ferai pas la blague. Pour piocher. Hors de question. Si vous attendez de ça de moi, je ne le ferai je pas. Je ne le ferai pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais dire attends. Bon, je vois que ça mue beaucoup là, de ce côté-là de la table. Ouais. Et ben pour 7, messieurs, dames. L'ange des ruines. Oh, ça fait des choses. Vole, et quand elle arrive sur le champ de bataille, exige jusqu'à 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Alors. Rappelle-moi ce que fait ton artefact là-bas, et t'en as deux, non? Alors, ça c'est des clous, ça c'est un talisman de progrès qui donne du mana, ça c'est je pioche une carte si j'écris un jeton, ou pour 8 je sacrifie et je fais un jeton de 10-10, un color Eldrazi. Donc ça, ça dégage. Ok, d'accord. Moi j'ai dit que tu peux cibler qu'il y ait un contact mortel, ouais, et des cailloux, et vol. Et sinon, tu peux arrêter de faire la blague, je vais te payer un verre, puisque tu pourrais virer son artefact. C'est, est-ce que je suis vraiment une personne à cibler? Non, mais contact mortel, dans, rien que le nom, moi, ça me donne des frissons. Ouais. J'ai eu des mauvaises expériences avec ça, donc... C'est vraiment la game de l'exil, quoi. Enfin, ouais, tout le monde s'exile. Et fin de tour. Évasion fiscale. C'est ça, exil fiscal. Pour 4, j'aimerais jouer Alandra, la rêveuse céleste. Chaque fois que je pioche ma deuxième carte à chaque tour, je crée un jeton de créature 2-2 bleu dracon avec le vol. À chaque fois que je pioche ma cinquième carte et à chaque tour, lui et tous les dracons gagnent +X+X, X temps de cartes dans ma main. C'est la cinquième carte qui trigger. Oui, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Ça m'attaque aussi dans 10. Ce tour-ci. Attends, je regarde. Oui, c'est bien. Ok. Pour 4, je vais jouer un chercheur inoffensif. À chaque fois qu'il attaque, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non-terrain que je révèle, j'enquête. Puis chaque joueur pioche une carte. Au début de mon étape de fin, je peux dégager tous les terrains que je contrôle. Si je le fais, je ne peux pas lancer de sort jusqu'au prochain tour. Étape de fin, je vais dégager tous mes terrains. Je ne pourrai donc pas jouer de sort pendant le tour. Avant que ce soit ton tour, je vais sacrifier un clou, piocher ainsi ma deuxième carte du tour et créer un dracon. Entretien, je vais retirer un marqueur de ma sérénade de charnier. Et je vais piocher une carte. Une super carte, c'est pas bon. Pour 2, je vais jouer une farfadée de vol nuit. C'est le 1 de vol à chaque fois qu'elle attaque, je surveille. Est-ce que j'ai d'autres très belles choses à faire? Je ne suis pas sûr. Je vais donc déclarer une phase d'attaque. Et je vais attaquer. Est-ce que ton dracon, ton petit dracon, il vole? Il flappe. Flap. Tout à fait. Tout à fait. Et ben, je vais néanmoins t'attaquer avec Mirko qui est 2-4 vol vigilance. Ok, avant les blocs, je vais piocher 2 cartes en sacrifiant 2 indices, avoir un deuxième dracon et bloquer avec mes 2 dracons. Oh non! Je vais être obligé d'avoir une réponse à ça. Oui. Alors, pour 3, en utilisant ma farfadette pour convoque, je vais jouer accumulation en ciblant Alandra. Cet acte de défiance sera noté. Alandra, tête de tigre, évidemment. Évidemment. En deuxième phase principale, pour 2, je vais flashbacker ce regard fantasmagorique. Ça me fait surveiller 3. J'ai vraiment l'impression que nous les regardons. C'est que vraiment, on est en entretien, oui. Tu vois, et on les regarde et ils sont là, ils s'amusent. Non, ils font une démo. Ouais, ils font une démo. Comment vous appelez ce jeu déjà là? Pour 2 et 3 points de vie. Ça a l'air pas c'est mal. Sympa. Hein. Je vais flashbacker cette deep analysis. Je vais piocher 2. Ah, waouh. En tout cas, vous avez l'air de vous amuser, quoi. C'est comme As. C'est bien. Bravo à tous. Je suis fier de vous. Pardon, j'ai surveillé, il fallait que je mette un marqueur sur lui. Là, tu peux dire tous les mots aléatoires que tu veux. On t'écoute plus depuis une demi-heure. Je n'ai rien à ramener. Fin de tour? Oui. Yeah. On va essayer de sortir sortir du caca. Je vais payer 4 et je vais ramener Coast. Je vais jouer Volonté de Jessica pour 3. Je vais regarder tes 11 cartes, c'est ça? Je le vois de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, purée, t'as une belle vue, hein. 11 mana 11 et tu veux faire les deux modes, c'est ça? Donc ouais, et là je vais faire les deux modes. Donc je vais exiler les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Hein. Oh, c'est pile l'éclair, quoi. 2, 3. Oh putain, la merde. Puis j'ai plus que du rouge, quoi. Donc je vais faire ça. Il éclaire. Ah, il éclaire d'ailleurs. Il éclaire. Il éclaire, ouais. Je vais payer 6 mana rouge. Je vais mettre 11 mana. Ouf. Qu'est-ce qui va nous sortir? Un beau gros truc. Et. Coucou. Tintintin. Ah, oh, ça pèse de l'avoir, elle. Donc ça ne peut pas être contrecarré. Super. Vol piétinement, protection contre le blanc et contre le bleu. Et je pourrais lui faire gagner 5 points de dommage pour mettre 11 à quelqu'un. Acroma est pas mal parce qu'elle tape fort et puis surtout elle a protection. Ce qui est intéressant, c'est que c'est blanc et bleu. Donc Jojo, il y a très peu de créatures vertes qui volent. Hein. Je veux dire, il y a peut-être un ou deux dragons. Donc voilà. Et du côté de notre ami Théo, il n'y a pas non plus énormément de bloqueurs noirs. Donc on bourre! Donc je vais payer 3 d'ici, il va rester 2 mana rouge en poule. Je vais... Oh mais tellement de mystère chez Bandit.
Et je vais payer un mana vert et piocher une carte. Et du coup, je vais passer en phase d'attaque. Tu perds tes deux mana rouges. Non, je vais les cramer dans un chroma. Donc ça va devenir une 8-6. 8-6 vol. Toi, ça vole. Toi, ça vole. Jojo, toi, t'as vol. Ah, mais je peux pas te bloquer. Moi non plus, vert. Parce qu'elle protège contre le bleu et le blanc. Ah, ouais. Personne ne peut te bloquer autour de la table. Bah, t'es à 37, quoi. Et du coup, elle a infligé des dommages. Et elle a été retournée ce tour-ci. Elle a été retournée. Et donc, je vais piocher. Et je vais dire à toi, Lincus. T'as fait un très gros tour aussi. Hein. C'est un peu plus drôle. Moi, j'aime bien jouer. J'ai joué une carte. Pour 7 dévoreurs de ravages. Lincus s'est dit moi, je vais pas jouer plein de trucs comme vous parce que c'est chiant. Moi, je suis un truc à 7. Ouais. Je vous déroule et on regarde. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire, incitez jusqu'à une créature ciblée que cet adversaire contrôle et mettez X marqueur +1/+1 sur elle. X étant la force totale des créatures incitées de cette manière. Oh. Donc. Messieurs, dames. Oh. Moi, j'ai une 3... On est d'accord que si j'ai bien j'ai compris, 6, 6, je peux inciter chacun d'entre vous ouais. en même temps. Oui. Et qu'après, je fais le total de tout ça et je mets autant de +1/+1 sur ça. Ça fait beaucoup de marqueurs. Ouais, ça fait pas mal. On est d'accord. Ouais, donc, ouais, je vais inciter celle-ci, celle-ci. Et celle-là, la plus forte. Donc ça, je gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Tu peux prendre un gros dé. Ouais, je vais prendre un gros dé, ce sera plus simple. Bah, ça a un peu surpris les gens. Voilà. Une petite 15-15 qui débarque comme ça, sans crier gare. Mais j'ai l'impression qu'elle va pas rester très très longtemps sur le terrain. Fin de tour. Bon, mes amis, on s'était bien amusés jusqu'à maintenant. Non, je vais vraiment pas faire ça. Je vais jouer un anneau solaire. Ok. Au tour 2, puisque j'ai 5 jetons, je vais jouer un brasseur de déchets. C'est une 5-6 pour 7, mais affinité pour les jetons, qui dit qu'à chaque fois qu'un jeton arrive en jeu sous mon contrôle, j'engage un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Il ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Pour 3, je vais jouer une traqueuse infatigable. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous mon contrôle, j'enquête. À chaque fois que je sacrifie un jeton, je mets un marqueur +1/+1 sur ma fatigueuse. Très bien. Ma traqueuse infatigable. J'ai joué un terrain, je vais enquêter, je vais créer un jeton, je vais engager ceci, ça ne se dégagera pas à l'état de dégagement. Très bien. Oui, moi j'aime pas. Tout ça pour ça, hein. Écoute, ouais, c'est vrai que ça, beaucoup de choses pour jouer une ça tricote, hein, ça ouais, tricote. On fait ce qu'on peut. Hein. Juste jouer en sort et la tuer, quoi. Et puis, je vais jouer une marchande de vérité. À chaque fois qu'une créature non jetons que je contrôle meurt, j'enquête. Et les indices que je contrôle ont l'exaltation. Oh. Je vous préviens, oui. La prochaine carte qui sort, c'est dès qu'un adversaire respire, j'enquête. Hein. C'est ça, la prochaine carte. On n'est pas loin de ça. Si j'attaque, seul, tous mes jetons vont donner +1/+1 chacun à la créature qui va attaquer seule de cette façon. Ah bah oui. Je vais t'attaquer toi, Bandit, parce que tu as le plus de points de vie. Donc je vais t'attaquer pour 4. Trigger. Je vais t'attaquer pour 9. Ok. Il a dit 4 fois, mais il a mis tous les triggers. Attends, d'abord, on va pouvoir... On va révéler chacun la carte dessus du deck. Et pour chaque carte non-terrain révélée de cette manière, j'enquête. Et puis on va tous piocher. C'est bien. Moi j'ai un bateau à vapeur angoissant, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien le... Moi c'est un passage des malandrins. Je vais enquêter 2 fois. Et on pioche la carte qu'on a révélée. Et on pioche la carte. On peut pas la mettre dans son cimetière si on préfère. Non. Il s'agirait de se calmer là-bas aussi. Hein. C'est ça quoi. Puis je vais déclarer une fin de tour et je vais vouloir dégager... Ah oui, d'ailleurs, vu que j'ai enquêté 2 fois, je vais t'engager... Tu m'attaques pas avec Akroma et tu as les 2 morphes sans problème. Joël, fais ce que tu veux. Commence pas à essayer de négocier. Bon bah j'engage tes 2 morphes. T'es les États-Unis qui négocient là, c'est vénère. Et c'est à toi, je vais dégager mes terrains fin de tour. Et je ne pourrai pas jouer de sort dans votre tour. Entretien, je vais tenter de résoudre cette sérénade de charnier. Je surveille 3, puis je renvoie sur le champ de bataille puis au cimetière une carte de créature avec un marqueur fatalité sur elle, pardon. Et je l'exile avec 3 marqueurs. C'est cool hein, comme carte. Ouais, grave, ça revient tout le temps, c'est rigolo. Donc comme je surveille, je mets un marqueur sur lui. Je vais regarder les cartes du dessus de mon deck, je vais tout mettre dans mon yard parce que je n'ai pas envie de réfléchir. Et je vais renvoyer une créature avec un marqueur fatalité, c'est ça. Quand j'arrive sur le champ de bataille, je peux détruire une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature non jeton qu'un adversaire contrôle meurt, je crée un jeton 2-2 noir zombie engagé. Ça a l'air bien. Pardon, dites-moi. Je voulais te faire un tap là parce que tu as détruit une créature. C'est quoi ? J'ai pris un vent, mais glacial. J'étais très concentré sur mon tour. Ah ouais, mais moi aussi. Très, très concentré sur le. Waouh. Mais j'avais un peu chaud. Ouais, voilà. Ouais, ça m'a refroidi. Je suis désolé. Pas grave. Je vais enquêter. Il enquête. Donc à chaque fois qu'une créature non jeton qu'un adversaire contrôle meurt, je crée... Est-ce que quelqu'un pourrait me dessiner un petit jeton de créature 2-2 noir zombie, peut-être ? Bah d'un seul coup, j'ai plus trop envie. Ça, c'était mon entretien, il faut que je pioche une carte. T'en es où, là, moralement ? Non, bah, je suis en train de réfléchir, parce qu'en gros, là, c'est ton commandant, là-bas, qui triggerde un peu tout, quoi. Il fait des choses un peu désagréables, là. Pour 5, je vais jouer notre ami, le célèbre, Sir Conrad le Sinistre. Ah.
À chaque fois qu'une autre créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans mon cimetière depuis autre part que le champ de bataille ou qu'une carte de créature quitte mon cimetière, il inflige 1 à chaque adversaire. Et pour 2, je me meule d'une carte. La carte a l'air bien, je la lis un peu en la jouant, je sais qu'elle est chouette, mais je sais pas exactement ce qu'elle fait dans son intégralité. Plus je la lis, plus je vois qu'il y a des triggers en tous les sens et plus vraiment je trouve la carte hyper forte. Comme je mets des points de vie à tout le monde, il y a aussi un côté de c'est pas moi le méchant, c'est surtout Joël qui fait trop peur, donc c'est presque forcément lui la cible. C'est pas mal, je suis pas souvent dans Sol Ring, je suis under the gun, c'est parfait. Puis je vais vous proposer pour 3 une pluie de notions. Je surveille 2, puis je pioche 2 et je prendrai 2 blessures. C'est nul tout ça. Je vais mettre ça, ce n'est pas des cartes de créatures donc je ne déclenche pas Sir Conrad. Puis je pioche 2 et je prends 2. Je suis pour 3, je vais évoquer avec vous ce célèbre copain, le vagabond des pensées. Donc je lance pour son coup d'évocation, quand il arrive, je le sacrifie dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Mais ce qui est bien, c'est quand il arrive, je pioche 2. Il va mourir et vous allez chacun prendre 1, s'il vous plaît. Ah non, 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 je dis une bêtise, pardon, c'est autre part que le champ de bataille. On était là. Excusez-moi. En fait, on fait tellement rien que quand on peut. Il a également un point de créature. Ah, meurt en plus, pardon. Non, il est vraiment bien, ce Sir Conrad, il est là pour vous embêter jusqu'au bout. Ah ouais, c'est mon premier point de vie perdu. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais mettre ça sur Bandy. Ouais. Juste c'est pour surveiller. Non, mais il n'y a pas de souci. Et ça sur Joël. Je fais la cour. Donc j'ai un trigger de ça, je surveille et je vais mettre un marqueur sur. Ok, je vais prendre 1. Je vais bloquer avec mon dragon. J'ai tout à fait raison. Je vais défausser cette arène phyrexienne. Fin de tour, je vais pouvoir réanimer ce vagabond dépensé et ainsi piocher 2 cartes. Moi j'adorerais qu'il y ait un total du temps de chaque tour. Et je pense qu'en cumulé. Ah, tu veux qu'on fasse un je un pense, graphique, je pense une tarte. Ouais. On n'est pas très gentil, on aurait pas dû prendre notre moderne pour contre le C2, tu vois. Mais ça remet en avant ce qu'on n'arrête pas de dire, mais ce qui me bluffe à chaque fois, c'est pré-construit, ils sont vraiment bien à chaque fois. Oui, il y a des belles synergies, il y a des belles cartes. Mm-hmm. Plaisant, je t'en prie, bon Dieu. On va essayer de payer 5. Et on va jouer Neb, l'éternel. Oh. Oui. Donc au début de ma deuxième phase principale, je vais ajouter un mana rouge pour chaque 1 point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Alors, je vais essayer de venir chez toi, Lincus, avec une 6-6 incité. Ah oui, non, merde, chez Lincus, je peux pas. 6-6, bon, chez Jojo, hein. Mm-hmm. C'est la pro bleu, pro blanc. Ok, bah, ma foi, je prends 6. Très bien, félicitations. Merci. Du coup, je vais créer 6 mana rouges. Je vais payer 1 mana vert. 2 mana verts, 1, 2, plus 6, ça fait 8. Et je vais jouer une Hydre Kagoulart. Quand elle meurt, je vais créer un jeton créature 1-1 vers serpent pour chaque marqueur plus 1 sur elle. Donc c'est plutôt cool. Pas mal. Elle arrive avec 8 compteurs, du coup. Cette game, c'est comme... T'as déjà fait du surf ? Oui, c'est t'attends. Tu vois, tu galères pendant 20 minutes à monter dans les vagues et après tu montes sur ta planche et tu tombes. C'est vraiment, c'est ma sensation. Yeah. Petit paysage des malandrins. Ah. Je peux payer 4 pour en l'engageant. Et une créature ciblée ne peut pas être bloquée. Ce tour-ci, pour 2 plaines et 2 incolores, je vais mettre un petit enchantement sur le terrain. Si un adversaire devait commencer un tour supplémentaire où ce joueur passe ce tour à la place, et à chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec au moins 2 créatures qui ou qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ou qu'il lance son deuxième sort à chaque tour, vous piochez une carte. J'ai une réaction. Ah ! J'aimerais sacrifier 4 clous pour piocher 4 et mettre 4 compteurs +1/+1 sur la fatigueuse. Ton sort, qu'est-ce que... La traqueuse. Il veut pas te laisser piocher une carte, quoi. Pas sympa, Joël. Oui, oui, non, mais c'est pas grave. On réglera ça après, mais... c'est les menaces. Sur le parking. Ouf, sur le parking, non. Et pour 2, je vais mettre un autre enchantement qui, quand je le sacrifie, permettra de détruire une cible artefact ou enchantement. Si je redis une seule fois enchantement, je vais trigger les fans de Dragon Age. Faut que je fasse bien attention. Et lui, pour une plaine, je peux le sacrifier et exiler une créature ciblée qui m'attaque ou qui attaque un planeswalker que je contrôle. Bah, écoutez, dans fin de tour. Je vais rester là-dessus. Je vais quand l'extorqueur arrive en jeu. Donc c'est une vol 4-3 pour 5. Quand il arrive en jeu, ou inflige des blessures de combat, j'exile un permanent non terrain ciblé. Et tant que cette carte est exilée, tu peux la relancer. Chaque fois qu'un joueur lance un sort depuis autre part que sa main, je pioche une carte. Donc là, l'exil, on est d'accord. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Pour 2, je vais d'abord jouer ceci, un talisman d'unité. Pour 6, je vais jouer un Krasis Hydroïde. Oh, pour X égale 4, je vais gagner 2 points de vie, mettre 4 marqueurs dessus et piocher 2 cartes. Moi, je pioche des cartes là. Ouais, je pioche 2 du coup. Et fin de tour. J'ai dégagé tous mes terrains et je ne pourrai pas jouer de sort pendant les autres tours. Je vais commencer par jouer un terrain. C'est pas le truc le plus rigolo. Oui, je vais faire ça au mieux. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer l'ami Joël avec ma... Et une 4-4. Avec ma 5-5 et mon ami Mirko. Bandit, t'as rien qui vole, qui est d'étape. Je vais t'attaquer avec cette farfadette et ce vagabond. Bah moi j'ai pas de vol là donc... 1, 2, 3. Je vais bloquer chacune des deux. Ouais. Donc toi tu mets...
deux trucs au cimetière ici. 8. Donc je fais 2 zombies de 2. Je vais faire ça parce que c'est drôle. J'ai une très belle manière assez élégante de tuer Bandit en faisant toxique déluge pour tuer sa créature qui fasse plein de petits jetons et ensuite jouer Givre du Massacre pour réussir à lui faire perdre tous ses points de vie. Ça me paraît un petit peu trop tôt, j'ai envie qu'il reste un peu dans la game. Je vais juste jouer ma Givre, on va voir ce qui se passe, ça va cleaner un peu le board mais pas trop non plus. Bon, ça met un peu Bandit en dessous mais c'est pas grave, il va pas m'en vouloir. Je vais faire Givre du Massacre. Je vais mettre -2/-2 à toutes vos créatures. Et à chaque fois que vous avez une créature qui mourrait, vous perdez 2 points de vie. J'aurais pu tuer ça avant, toi. C'est un peu rigolo. C'est pas la plus belle manière. -2/-2, ok. Ouais. Ok. Donc je vais perdre 6. Tout à fait, je crois. Et même. Et plus, parce que du coup, il y a 3. C'est ça, il y a 3 créatures qui meurent. Donc je vais perdre. Putain, tu perds 9 et tout le monde perd 3. Perds 3 ? Ouais, c'est pas. C'est lui qui fait qu'à chaque fois qu'une créature meurt, tu perds. C'est vraiment mesquin de mettre la Givre dans face à un deck mu, quoi. Oui, c'est vraiment genre. Le deck building est vraiment mesquin, quoi. Y a 3 créatures qui sont mortes, j'ai 6 zombies. Ah, tu commences à un board. Un spion de Dimir, c'est un vol menace à chaque fois que je surveille, je lui mets un marqueur. Pour 2, je vais jouer un détective obstiné. Quand il arrive sur le champ de bataille, je vais surveiller 2. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, je peux le renvoyer depuis mon cimetière. Pioche. Dans ma main. 4 cartes là. Tu vas piocher. Tu pioches une carte. 2 cartes. Ah oui, non, c'est quand il est au cimetière. Ok. Non, c'est bon. Si je pioche 2. Je vais surveiller 2. Ah. Oui, je vais mettre ça dans mon lien. J'ai surveillé, je mets un marqueur sur lui, je mets un marqueur sur elle. Et ça va être la fin de mon tour. Je vais réanimer ce chuchoteur de mort. Avec Mirko. Ouf, chuchoteur de sa mort. Ok, ben je vais détaper mes landes. Hein, ça, c'est quand même mon powerplay de la game, c'est de détaper des landes. Oublie pas je de ne vais scraler. Pas oublier mon trigger. Ouf. Vous avez vu comme ça doit être une bonne carte parce que. Il y a eu un silence. Il a coupé dans sa phrase et il a fait ouf. Mais de toute façon, je vais la piocher. Donc, je vais payer 4. Je vais jouer une absence inexpliquée. Pour chaque joueur, je vais exiler jusqu'à un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle. Et vous allez pouvoir voiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Je vais pas te foutre dans le mal. Je vais exiler genre ton saut du nettoiement. Je peux le sacrifier. Tu peux le sacrifier en réponse et péter un truc chez quelqu'un. En vrai, le Sol Ring, c'est on lui enlève 2 de mana, non ? Ouais, et en plus, son deck veut beaucoup d'artefacts. Donc vas-y, je pète le Sol Ring. Je suis désolé pour le nom de la mission. Mais... Ça va, t'inquiète, on t'en veut pas. Bah, chez Joël, je vais exiler la traqueuse. Bon, c'est une carte que de toute façon, j'aurais pas pu jouer. Donc. Et chez notre ami, à mon avis, ce sera Sir Conrad. Hein. Ah, attends, il y a un truc intéressant. Si je te tue, la capacité, elle est plus dans la pile. Non. Si tu me tues, la capacité est plus dans la pile, mais. Si tu ne suis pas Sir Conrad, je te tue peut-être pas. Oh putain, retard. Vas-y, ok. Tu cibles quoi ? Je vais cibler ça. Ouais, tu l'as eu. Et devine qui c'est qui accepte des deals de merde pour essayer de sauver les 4 points de vie qui lui restent ? Bah c'est Bandit ! Mais en fait c'est même pas un deal, les gars, c'est pas un deal. Si quelqu'un te menace avec un couteau et tu dis « achète ou je te tue », c'est pas un bon deal, t'as pas le choix. Bel exemple de politique à la Haz. C'était très très beau là. Ok. Je vais payer 4 et je vais jouer Décimation en rituel. Bah Jojo, je t'ai déjà pris une créa, donc je vais te péter une clou. Je vais la sacrifier en réponse. Voilà. Tu vois, les bons comptes, les bons amis, tout ça. Par contre, du coup, je vais te tuer ça. Il n'y a pas de plus dangereux là. T'as pas l'impression. Non, elles sont cachées. Il m'a pas tué. Moi, ça dépend ce que tu cibles. Je suis assez content d'arriver au bon moment dans l'arc narratif Bandit contre Joël. Je sens qu'il y a une petite animosité, mais en même temps, beaucoup d'amour entre les deux. Donc, je vais tout simplement me taire. Je les laisse faire la bagarre. Je conserve un peu de points de vie. Je les laisse baisser en live tranquillement. Je vais essayer de rattraper tout ça à la fin. Ah bah il va me tuer si je le cible, tu vas bien jouer. Je vais à ton tour. Bah oui, mais ça, moi, j'ai prévu. C'est ma seule réponse, ça. Regarde, Jojo, j'ai 4 points de vie. C'est quoi, toi ? Je vais enlever le collet spirituel chez toi. Une clou, ça. Donc ça dégage, on est d'accord ? Et toi, je vais te péter un terrain. C'est détruit ou dis-le ? J'imagine c'est détruit. Je vais venir attaquer notre ami Lincus. Avec ? Avec une 6-6. Une 6-6 vol, non ? Ouais. Et protection, surtout. Ouais, bon, je le prends, quoi. Ouais, je prends 6. Donc je génère 6 points de 6 mana rouge pour ma phase 2 qui flotte. Bon, je vais jouer là, territoire des grules. Je vais renvoyer une forêt que je n'utiliserai jamais. Et je vais payer 4 de ça et jouer Tezak. Ce qu'il mentionne pas, c'est que pour te mettre des dégâts, il va essayer de surveiller 4 créatures pour 2 points de vie par chaque fois qu'il essaye de surveiller. Ah ouais, non, mais moi j'ai fini mon tour. Voilà, c'était mon baroud d'honneur. C'était ma façon d'essayer de modeler une game comme j'ai envie qu'elle soit. C'est beau. Pour 5, je vais jouer Anir l'ange impitoyable, qui a le vol, qui gagne +3/+3 pour chaque adversaire dont le total des points de vie est inférieur à la moitié de son total de points de vie de départ. C'est... Donc ça je gagne 9. 9, 3x3, 9. Ouais. Et tant que le total de points de vie d'un adversaire est inférieur à la moitié de son total de points de vie de départ, ce qui est le cas, cette carte est indestructible. Ah ouais.
C'est bon. Mignon, ça. C'est une carte. Bah, j'ai attendu. J'attendais que tout le monde soit bien. Elle n'est jamais revue. Autre carte qui arrive à point nommé, enfin, que j'attends un peu. Je regarde les gens perdre des points de vie tranquillement. J'ai un ange qui ne demande qu'à arriver quand les gens ont la moitié de leur point de vie maximum. Donc j'attends, j'attends. Et là, c'est le moment de dégainer, c'est le moment d'ouvrir la braguette, comme on dit dans ma famille. Et donc je pose l'ange indestructible qui a l'air de jeter un petit froid autour de la table. Pourquoi ? Ouais. Et pour 4, enfin. Mieux vaut tard que jamais. Bah, je me dis que c'est le moment. Hein. Elle a la vigilance et à chaque fois qu'elle attaque, je suspecte une créature ciblée. Puis j'incite toutes les créatures suspectées. Donc voilà, je rappelle qu'une créature suspectée, elle a menace, elle ne peut pas être bloquée. Et à chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle inflige des blessures de combat à au moins un de vos adversaires, vous et le contrôleur de ces créatures piochez chacun une carte. Tout le monde va bien piocher. Mmh. Et je vais... on va attaquer quand même, ce serait bien. Toi, t'as du vol, il me semble. Non. Non. Je t'attaque avec ces deux-là. Deux. Ça, c'est une 2-2, ouais. J'ai bloqué la 2-2 avec la 3-4. Okay. J'ai perdu 3 points de vie. Ouais. Parce que tu as une des créatures qui meurt avec la griffe 3, de massacre. Et une créature meurt, donc... Et on pendu aussi, d'ailleurs. Yihi. Mes jours sont comptés. Ce Sir Conrad est là pour s'assurer. Oh là là. Eh ben, fin de tour. Fin de tour, j'ai sacrifié 3 jetons. C'est vrai que j'aurais pu... Ouais, c'est pas très... À la recherche. Une solution. Une solution contre ce board horrible. Ils font des gros boards, hein, les decks. Mm. Je crois qu'on a loupé quelques triggers de Sir Conrad et quelques triggers mais ça, de... Alors, tiens, vraiment, les triggers, enfin, je veux dire, si ça vous fait vraiment chier, désolé, mais c'est la vie, quoi. Fin... C'est dur dans ce genre de contexte, de, tu vois, je le vois, là, d'être concentré sur la game et en même temps sur le fait qu'on tourne et tout, c'est plus compliqué que d'habitude. Non, mais sinon, les gens, mais c'est facile quand t'es dans les commentaires de voir les... Bah sinon, dans les commentaires, voilà, mettez le nombre de triggers loupés. Ah oui, n'hésitez pas, faites des coms, hein. Enfin, moi, je demande que ça. Et lâchez un petit pouce bleu, d'ailleurs. Bon, Bandit. J'ai joué une taupe du graphe. À chaque fois que je sacrifie un indice, je gagne 3 points de vie. Oh, non. C'est une taupe. C'est une taupe. C'est bien cette taupe de 4x3. Moi j'aime bien cette taupe. C'est un taupe deck. Elle est bien. Voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En vrai, oui, elle est bien. C'est vrai, j'accorde quand même. Jouer le service qui tue. Mais tout est dans le nom. Quand le service qui tue arrive sur le champ de bataille, je tiens un jeton. Un nombre de jetons de nourriture égale au nombre d'adversaires que je possède au début de mon étape de fin. Je peux payer 2 et sacrifier un jeton. Si je fais ainsi, je crée un jeton de créature 4-4 verte, rhinocéros et guerrier. Je vais donc créer 3 jetons nourriture pour un mana blanc. Je vais vouloir exiler Sir Conrad. Oh. Ah, ça va avoir une réponse, j'ai payé 2 et je vais surveiller 2 avec mon démon. Ouais. On est d'accord que tout ça, c'est ton cimetière là-bas ? Tout à fait. J'ai une créature qui est mise dans mon cimetière, je vous invite à chacun perdre un point de vie. Yes. Je vais payer 2, je vais surveiller avec mon démon. Tu sais, c'est vraiment genre... Tu vois, vraiment, c'est stupide, tu vois, le jeu, même, je veux te tuer toi, quoi. Le même... Je vais m'arrêter là. Je peux exiler Sir Conrad. Et je vais gagner 5. Non mais mourir, je vais mourir. Les gars, mais oui, mais je voulais tuer comme ça, c'était plus classe, quoi. Je pense que c'est mieux que tu laisses Joël le faire. Certes. Mais du coup, non, je vais pas te tuer. Oh, vous m'épuisez, quoi. Laissez-moi partir, quoi. Je veux un cachet d'ésotérisme. Débranchez-le, vous voyez bien qu'il souffle. Fin de tour, pour rajouter toujours un peu de temps, je vais faire un brainstorm. J'ai demandé l'euthanasie, en fait. Je l'ai demandé. Il a signé, papy. Incroyable. On est reparti sur un tour de l'enfer. Vraiment. Je vais essayer de le faire vite. Je vais mettre tout ça sur la mini-incus. Je vais surveiller. Tu m'attaques avec au moins 2 créatures, c'est ça ? Faut que je pioche une carte ? Tout à fait. Je vais mettre un marqueur ici. Vous avez vu, je ne prends plus la peine de faire les maths. Je bourre et je regarde ce qui se passe. C'est combien là ? 6, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 29. 29, bah, il va falloir bloquer. Hein. C'est quoi la plus grosse carte là ? C'est le commandant. Il est 13, 16. 13-16, bah, je peux la bloquer avec elle. Sans vu qu'elle est indestructible, ils ok. Et il me reste combien 6, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, bah, vas-y, hein, je prends les 16. Est-ce que je vais prendre juste une seconde pour compter? Est-ce que je peux gagner ce tour-ci? Et après, je suis à vous. Quelle indignité. Sans Sir Conrad, c'est moins facile. Je ne crois pas. Donc je vais jouer Marvo, l'agent des profondeurs. Il fait quoi? Je sais pas, c'est une grosse pieuvre. Je l'ai pas vu. À chaque fois qu'il attaque, je confronte le joueur défenseur. À chaque fois que je gagne une confrontation, je pioche une carte. Je peux lancer un sort qui coûte 8 depuis ma main sans payer son coup de mana. C'est rigolo. Et pour 2, je vais jouer une pierre de l'esprit. Et je vais enfin passer le tour. Fin de temps, je vais pouvoir réanimer un truc, ça va être ce fantôme au dernier mot. C'est une 1-4 vol flash, pendant votre étape de fin, je peux lancer des sorts comme s'ils avaient le flash. Et
J'ai fini. Ok. J'ai joué mon tour complètement à l'envers, mais... Je suis étonné que tu m'aies pas tué. Je vais jouer une clairière d'escorie. Bah, enfin, franchement, foutu pour foutu, je vais essayer de tout bourrer chez Joël. J'ai pas fait le barreau d'honneur, en mode je veux pas te tuer. Enfin, justement, je trouve que c'est une super ironie. Oh bah, sans blague, Bandit m'attaque. Par contre, lire les cartes, c'est intéressant aussi, hein. Tu meurs aussi au passage. Hein. Si je dois me jeter de la falaise avec lui, je le ferai. Voilà. On est un peu les Roméo et Juliette de cet épisode. Ok. C'est donc ça le visage du Sam, je creuse. Je vais... Je pense que tu t'en sors, t'as plein de jetons fous. Triple bloqué. Ok. Faire 3 bloqués. Et prendre 6. Tu bloques quoi? Bah, tout sauf Akroma, du coup. Ok, il y a des choses qui meurent des... Bah, tout chez moi. Tout chez toi? Et chez moi? Je vais juste gagner... Tes actes? Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Tes actes meurent? Ah oui, attends. D'abord, j'avais tous mes terrains qui étaient dégagés avec ça. C'est pour ça que je me permets. Je vais piocher 4... 2 et gagner 6 points de vie. Zoup. Zoup. Et ça meurt. Je te propose de prendre 6 de plus à cause de ma Guivre du Massacre. Et bon, je te propose de prendre 2 cartons chiens. Et donc je suis mort. Ouais. Voilà. Bon, ben c'était mon barreau. Mon barreau doux. Elle a fait quelques blessures. Mais non, je trouve ça très mesquin d'avoir mis la Guivre du Massacre dans le deck, sachant que moi, toutes mes créas sont 2-2 en fait. Donc c'est vraiment genre, tu sens vraiment qu'ils se sont dit « Tiens, qu'est-ce qu'on mettrait dans un des decks pour faire chier le deck Disguise Massacre Worm ?» Pour 4... On va mettre le duo fielleux. Si elle a l'initiative, et si une source devait infliger des blessures à un adversaire, elle inflige le double de ses blessures à son joueur à la place. Je vais attaquer avec toutes mes créatures. Vu que j'attaque avec toutes mes créatures et qu'elle attaque, je peux inciter une de mes créatures et donc lui donner la... Elle peut être suspectée et avoir la menace. Elle ne peut pas bloquer. Encore mieux, tu peux suspecter une créature de quelqu'un d'autre et elle ne pourra pas bloquer, ça veut dire. Ouais, bah vas-y Joël, je vais t'attaquer avec elle. Mmh. Et je vais mettre le... Bah là, tu prends 10. Ouais. Et je vais mettre le reste sur toi. Et ouais. Je vais inciter la plus grosse créature qui vole. L'initiative, c'est pas célérité. Ah oui, merde, pardon. Y a que ces 3-là qui attaquent. Donc lui, il peut pas bloquer. Et donc là, t'as une 9, 10, 11, 12, 13, 13 vols. Et une 2-4, vigilance. Je vais sacrifier 3 foot pour gagner 9 points de vie. Moi, je vais bloquer ta créature vol avec ma 1-4 vol. Mmh. Et je vais bloquer ta 2-4 avec ma 6-5. Ok. Quand elle meurt, tu prends 2. 1, 2, mmh. Et lui, il meurt. Je l'armée ici. Et je vais juste mettre pour 3 la petite Lorane. En gros, quand elle arrive sur le champ de bataille, je peux détruire une cible, artefact ou enchantement. Et quand je l'engage, vous et un adversaire ciblé, piochez chacun une carte. Et ben, je vais péter cet enchantement-là, je pense. C'est fini les rhinos, on dirait en costard, quoi. Je joue à poil. Enfin, je suis plus à poil que toi, j'ai même plus. Pardon, je me permets juste de toucher ta main. Je vais pas la consulter. Je joue à poil. Moi, j'ai pas fait grand chose de plus de toute façon. Hein. Donc, j'ai joué un summum de la dévastation. Je vais piocher des cartes, dégager 5 terrains et je n'ai pas de main maximale jusqu'à la fin de la partie. Bon, reprint aussi. Hein. Est-ce que c'est pas la troisième fois que t'as pas de main pour le reste de la partie? Bah, franchement, Jojo, je te présente mes excuses, j'étais un peu chargé, mais j'aime bien te sortir un peu de ta zone, voir comment tu vas t'en sortir là. Est-ce que tu vas t'en sortir? Je ne pense pas. Je vais juste pouvoir jouer mon terrain. Et j'ai fini mon tour. Pour 5, je vais jouer un bateau à vapeur angoissant. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur choisit 2 créatures non jetons, non véhicules qu'il contrôle. Je les exile jusqu'à temps que ce bateau meure. À chaque fois que le bateau attaque, je mets une carte exilée par lui dans le cimetière de son propriétaire. Si je le fais, j'enquête. Moi, je vais cibler mon détective et mon Marvaux, agent des profondeurs. C'est nous qui décidons qui on... C'est vous qui décidez ce que vous vous exilez. Je vais déclarer une phase d'attaque. Malheureusement, ce Mirko va être obligé d'attaquer jeu. Hein. Ouais. Je l'aurais pas fait autrement. J'ai vraiment pas le choix. Hein. Pas de soucis, pas de soucis. Ça et ça, ça va aller. De sur Lucus. Tu fais rien et t'envoies des trucs se faire casser la... Et tout ça, ça va aller sur Jojo. J'ai une... Avant la dégâts. Je t'en prie. J'aimerais pour 7 exiler toutes les créatures qui attaquent Lucus. Et elles reviennent en jeu jusqu'à la fin du tour. Et j'enquête pour autant de trucs. Je vois un tyran à côté de moi, je vois une pauvre personne esselée en face de moi. Je me dis que... Voilà, la victoire revient au plus faible, finalement. Lincus, je vais essayer de te sauver. Fais-en très bon usage, s'il te plaît. S'il y a bien une personne, je n'aurais pas cru capable de faire un tel geste de bonté, c'est bien toi, Joël. Mais on voit qu'il y a une certaine rédemption dans Sol Ring, donc j'accepte ce geste et je vais essayer de faire quelque chose, mais c'est pas gagné. Excuse-moi, ça serait une preuve de gentillesse que je viens de voir là. Exilé. Elle revient à la fin du tour, c'est ça. Elle revient à la fin du tour et je vais enquêter autant de fois, puis mourir. La dernière enquête. Ouais. The Last One. Fais bon usage. Oh, le King. C'est beau.
C'est un geste de bienveillance absolue. Je vais laisser revenir toutes mes créatures. Pas habitué, mais j'accepte. Même si on était alliés, objectivement, pendant la game, dans mon cœur, c'était au pire. Non, mais ce qui est plus drôle, c'est que c'est la créature que j'incite qui tue Joël. Qui tue Joël. Et fin de tour, j'ai quand même eu un 3. Je l'ai exilé aussi. Ah. Je vous en prie. En troisième fois que je suis dans Soul Ring, c'est la première fois que je suis arrivé aussi loin. Qu'est-ce que je dois faire? Je panique. Je vais attaquer, de toute façon, j'ai que ça à faire. Je vais t'attaquer avec cette... Alors, avant. Ouais. Avant de faire un misplay ou de prendre une patate par Joël, je vais... Il était prêt, t'as vu? Prendre, payer 4, engager ce terrain, et qui me permet de cibler une créature, et elle ne pourra pas être bloquée ce tour-ci. Donc évidemment, je vais cibler mon petit ange qui ne partira pas trop tôt, et qui est une 7-7, ouais, avec vol. Je peux pas le bloquer, il met le double de blessure. Ouais. Je vais essayer de piocher les trucs bien. Et est-ce que je peux attaquer avec elle aussi en vrai? Non, vas-y, de toute façon, on est là pour tout donner. Hein. Donc j'attaque avec tout, vas-y. Je suis un peu désolé parce que j'ai pas vu que l'Incus il peut me tuer avec sa bête imbloquable. Donc il faut absolument que je trouve une solution. Heureusement, j'ai pas mal de possibilités de surveille avec mon petit démon. Je vais perdre tous les points de vie que je peux perdre pour essayer de trouver quelque chose, le piocher et m'en sortir in extremis. J'espère que ça va le faire. Je vais avoir plein de choses à faire. D'abord, je vais payer 2 points de vie et je vais surveiller 2. Ah, je vais mettre ces 2 cartes dans mon cimetière. Ensuite, je vais payer 2 points de vie et je vais surveiller 2. Je vais mettre ces cartes dans mon cimetière. Je sais pas s'il y a une solution dans ce deck. Je vais payer 2 points de vie et je vais surveiller 2. Bon bah, sans surprise, hein. Ça surveille, ça perd des points de vie. On attend, hein. J'ai mis plus de temps à attendre qu'il surveille qu'à venir en train. Donc, voilà. Oh. Je vais mettre ça dans mon cimetière et je vais laisser ça au-dessus. Puis pour un petit mana, je vais jouer scruter. Je surveille 1, puis je pioche une carte. Je vais la laisser au-dessus. Ah pardon, j'ai surveillé 3 fois et il a pris 3 marques. Pour 1, je vais jouer Dispersion Tefara, okay. Qui renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire et je vais surveiller 2. Je vais cibler ton ange, je vais me battre. Oh là là. Fort heureusement, pour lui, après moult et pléthore de surveillance, il trouve enfin une solution pour m'oblitérer. Bon bah, je ne suis jamais arrivé aussi loin dans Soul Ring, mais plutôt content, mais à quel prix? Ok. Je surveille 2. Oh. Donc tu prends, il faut que tu bloques ça aussi. Hein. Et ouais, phase de bloc, je vais bloquer ta 5-5, elle a pas de piétinement mais elle a l'initiative. Ouais, pour vagabond dépensé. Très bien. Il meurt, il est exilé car il avait un marqueur fatalité sur lui. Je peux remettre des trucs là? Tu peux tout à fait rejouer des trucs. Je vais faire un enchantement pour 5. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur crée un jeton de créature 5-1 rouge élémentale appelé Furie d'éclair. Il a le piétinement, la sérité et au début de l'étape de fin, ça crée cette créature. C'est uniquement parce que je la trouvais belle. Donc C'est une belle carte. C'est 2 points de dommage pour toi à la fin du tour, ouais. De Théo. Oui, non, c'est plus pour mettre des cartes. Les belles cartes, ouais, je l'aime bien. J'aurais pu remettre mon ange, mais ça allait servir à que dalle. Donc fin de tour. Et donc je dois. Entretien, je vais jeter. Cette sérénade de charnier, je vais. Putain, quelle value là-dessus? Je vais réanimer ça, qui me dit quand il arrive sur le champ de bataille, surveille 4. Donc je vais être un marqueur sur lui. Et quand je fais ainsi, je peux renvoyer un parent de mon terrain ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Diabre, je vais renvoyer ça. Tue-le! Je vais ensuite déclarer une phase d'attaque. On joue pas avec la nourriture. Je vais t'attaquer avec tout! Et bah, je prends tout, hein, de toute façon, en vrai. Voilà. Bah, à toi de me dire. Hein. Bah, regarde bien, regardez cette situation. De la poitrine. Regardez cette situation. Dans cette situation, que dois-je faire? Mourir. Klaxonner, me foutre dans le ramin. Non, bah, bien joué, mec. Bien joué, ouais. Bien joué, Théo. J'ai failli voler mon deck, quoi. Bah, quel game, quoi. Incroyable. C'était vraiment une super partie. Je suis hyper content. Le deck était très chouette. Et pas que parce que j'ai gagné, parce que au global, c'était pas le plus important. Un peu fatigué par ces multiples triggers. Et encore désolé pour tous les mis-triggers que j'ai pu faire, parce qu'il y avait plein de choses à gérer. Impressionné par les decks et par le niveau de la table. Je me suis vraiment bien marré. Et surtout, il y a eu du beau Magic encore. Encore une fois, impressionné par le niveau des préco. Hein. Franchement, déjà, Ixalan, c'était vraiment pas mal. Je m'étais vraiment bien plu. Surtout, j'avais tué tout le monde, donc ça aide. Mais même là, en perdant, j'ai passé une très bonne partie et le niveau des decks est vraiment fort et franchement, Wizard, continuez comme ça, c'est la voie à emprunter. Quand je vois le jeu qu'a développé Jojo, qu'a développé Théo, qu'a développé Bandit, sincèrement, j'ai passé une plutôt bonne game. La game, je l'ai bien aimée, le deck, je l'ai pas trop aimé. Par contre, je trouve ça un peu... Je sais pas, je trouve ça un peu lent et un peu clunky de devoir jouer une carte, la retourner quand t'attaques. Je comprends ce que le deck veut faire, mais moi, j'aime pas. On espère que cette game vous a plu. Évidemment, on va passer à un moment qui plaît un peu moins en général, enfin, à vous beaucoup, mais à nous un peu moins, c'est la dégustation. Et aujourd'hui, vu qu'on est quand même... Il y a eu un meurtre au manoir Karlov, et on a retrouvé cette fiole de poison que j'ai subtilement
masqué avec un post-it. Votre mission, ça va être de découvrir le goût de cette sauce piment. Piquante. Ah, elle n'est pas juste piquante, quoi. C'est piquante avec un ingrédient mystère. Un ingrédient mangeable. Oui, évidemment. Oui. De non, la mais... merde. C'est une... J'ai chié. J'ai chié dans le petit pot. C'est piment merde. Et vous devez découvrir ce que non, j'ai mangé que... hier. C'était horrible. Hein. Non, mais c'est bon. Je vous donne une petite tomate. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir le plaisir de participer quand même? Oui, si tu veux. Ça tu peux prendre ma place si tu veux. Je peux prendre ta place si ça t'embête. Je me sacrifie. J'ai envie de faire la petite enquête en fait. Il a envie d'enquêter avec nous. Enquêtons. Allez, putain, mais t'as vu la dose que t'as mis. Mais j'étais trop loin, sorry, j'avais pas de... Mmh. Allez, 1, 2, 3, santé. Allez. Moi, je sais. Ah, toi, tu se mets, bah oui. Vu que c'est toi qui... Allez, bon. Allez. Tchin-tchin. Et... À la vôtre. Mais pas des pieds. Alors, je peux vous dire qu'il y a du piment. Ça, c'est un ingrédient mystère que j'ai découvert. C'est piment tomate, non? Gertille. On dirait une tomate. Oh, le bâtard. C'est ça. Oh, l'enquête. L'enquête a été rapide. Ah. The blueberry. Non, c'est pas. Oui, blueberry, c'est merci. Merci. Ouais. J'enquête sur l'anglais. Waouh. Moi, j'aime bien la truc pimentée, donc. Je la trouve même un peu légère. Ah ouais. Mais je pense parce que t'as pas eu la dose de Joël. Parce que moi, j'ai vu ce qui est tombé dans la tomate de Joël. Joël, ça va? T'es avec nous? T'aurais dû. J'aurais remis. Il y en avait globalement plus que de tomates. Mais elle a un bon goût, ouais. Ah, elle est pas mal. Hein. Ouais. Mais c'est mais je pense, on ça, est c'est sur la... du Carolina Reaper sur le piment. C'est par contre, par contre ça, c'est la, ça, c'est la sauce qui va t'attaquer après ça. Là, je sens le retour là après. N'hésitez pas à manger du riz. C'est plus rapide quand t'as du retour de flamme comme ça. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Si vous avez kiffé la game, n'oubliez pas petit pouce bleu, petit commentaire. Et en plus, les commentaires sympas. Vous savez, j'ai beaucoup de salive là. Le piment. Les commentaires sympas, ben, vous savez comment ça se passe. Eh ben, il y a des petits gains, il y a des petits trucs à gagner, et ça, c'est cool, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour tous vos retours, on vous kiffe. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle game de Sol Ring, le show qui met ton playgroup dans les... cordes.